le 53e Salon du Bourget touche à sa fin. Que vous soyez venu en camping-car ou à pied, votre avis nous intéresse. Quels seraient les points d'amélioration pour ce salon? Laissez vos impressions dans les commentaires. Je remercie le stand Adria de m'avoir permis de faire salon, comme dans ce choral avec toit panoramique, ou encore ce Sonic avec son salon face-face. Alors l'année dernière, j'avais fait des plateaux, cette année des petits reportages dans les stands. Dites-moi ce que vous préférez. Et je vous laisse un lien pour retrouver tous ces reportages. Ça y est, on y est, ESA Water. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Aujourd'hui. Absolument. On ne change pas le concept, c'est-à-dire qu'un propriétaire peut louer et rentabiliser son véhicule. Et puis vous dire que la Martinique, elle vous aime. N'oubliez pas ça. Alors, on rappelle le principe. Hein. Mais alors, il y a une deuxième prise qui fonctionne avec une prise standard dans le monde des batteries, les prises Anderson. Voilà. Oui, après avoir fait du chaud, nous avons décidé aussi de faire du froid. Nous nous sommes lancés dans la climatisation il y a quelques années. Il est présent à tous les grands rassemblements. Philippe, avec sa bonne humeur, son triporteur. Il vient et il installe les points d'intérêt dans vos GPS. Donc il faut pouvoir tourner la tête. L'inconvénient, la plupart du temps, sur un système classique, c'est qu'il faut monter sur le toit. Cuisiner en France avec que des produits français. C'est donc des plats qui sont apertisés. Donc la même technique de conservation que les bocaux en verre. Alors on a des Alpes en France, mais il y a aussi des Alpes au Japon. D'où le nom d'Alpine pour Petits Alpes en japonais. Et on prononce comment alors? En japonais, on dit Alpine. Et le fameux Aquaken donc, est décliné sur deux senteurs, la senteur classique et la senteur lavande, qui apparemment plaît beaucoup. Mise à niveau, mais pas que, puisque ça permet aussi de pouvoir carrément décoller les roues du sol pour l'hivernage ou pour changer une roue, donc une stabilité parfaite à l'intérieur du camping-car. Alors fais-nous rêver, Cargèse, Sagone, la réserve de Stendola, le Cap Corse, l'extrême sud avec Bonifacio. Quatre locataires partagent l'usage d'un camping-car sur différentes semaines qui sont préétablies au préalable avec nous. Alors on fait des escapades gastronomiques ou gourmandes, c'est-à-dire des voyages en France, dans des régions de France. Nous sommes toujours dans le Jura, Saint-Claude.